Si nous sommes ici rassemblés ce lundi 11 novembre 2013 devant ce monument historique, c'est pour commémorer les souvenirs des vaillants soldats congolais qui ont servi sous le drapeau du Congo belge pendant les deux dernières guerres mondiales de 14-18 et 40-45. Il y a 4 ans, lorsque nous avions entamé cette série de commémorations, nous avions à nos côtés, parmi les initiateurs, une de ces êtres exceptionnels dont l'amour et la défense des intérêts de notre pays, le Congo, méritent d'être évoqués à cette occasion. Nous pensons ici à notre fille et sœur, Marie-Ange Letty Bunga, qui nous a quittés cette année. En sa mémoire, je vous invite à observer une minute de silence. Kwa wazee, wa baba na watoto wetu tunapikia aksanti. Na bino bakoko na batata pe bana babiso totondi bino botondi ya solo tobosana ki bino pe si kwa to sangani ya wapoya yebi sera bino te to lingi ko bosana bino te pende to bosani bino bisusute. Nous allons demander à l'arrière petite fille de Albert Koudjabo, un volontaire qui a combattu ici en 14-18, de lire les noms des volontaires. Adipanga Joseph, Alomon Pierre, Balamba Jean, Bayon Paul Mavungo, Boimbo Antoine, Bolia Édouard Gabriel, Bolofo Camille, Bouclou Pius Albert, Bonkaku Eugène, Bouclou Pius, Decaza Léon, Drouven Joseph Florent Mathieu, Pataki Honoré, Ilanga Jean Jacob, Jesse Jean Baptiste, Simba Sébastien, Kudjabo Albert,
Curculu Honoré, Sassi Simon, Longo Michel, Lopico Joseph, Mabila François, Samba Albert, Manglinki Antoine, Mbimba Pierre, Mbundo Jacques, Maud Jules, Mona Antoine, Panda Parnana Paul, Tangwali Pierre, Thérèse Thomas, Sumbu Pierre, Yoka Antoine. Maintenant, c'est la liste des... On va lire en ordre dispersé parce que la liste est longue. Hein? 14, 18, 40, 45, les anciens combattants. Bolongo Henri. Miyoka Daniel. Kanon Pierre. Matounou Fernand. Ferdinand. Moulumba Kassimi. C'est fort. Zadia. Lukisa. Un peu plus fort. Lukisa. Lukisa. Voilà, comme ça. Baboulou. Voilà. Petit Joseph. Tu veux que je lise mon frère ? Petit Joseph, Mété Marcel, Panzou Antoine, Kani Pierre. D'abord, un temps de recueillement, et puis la gerbe sera transportée par plusieurs personnes. C'est pour la garder là-bas. Ça va être bon. Non, non, madame. Ça va être bon. Les gens qui vont faire la prière. Comment? Pas bandade. Maman n'a rien. Awa toti motema ya tomipesa po na kokanisa bino ndenge bomipesa po ya kosalisa ba belge po ya kosalisa bango pe balonga bokufa ebele po ya bolamu ya mboka te bakolo mboka yeye babosa na pe bino biso tosengi bino bolimbisi bopesa biso makasi tala mboka ndenge ekomi Babilombe lokola bino bazali lisusu te po ya nini kolimbisa biso posala te awa totelemi bilombe lokola bino babima pe okati ya mboka ya biso tokabwana te tozwa lisusu mboka ya biso na oyo akokamba mboka azala mpenza mwana ya makila ya mboka ezala mopaya te
bosali sabiso bo pesa biso bo benisi bo pesa biso makasi tozala na kosangana na bomoko makambo ya mabe maso bosali sabiso ko malongwa tozala na bomoko na mboka na biso nzambe pa bino bokenda alimbi sabino nyongo ya masumu apesa bino bopeme bolamu eloko tosengi wana na bino bopeme bolamu na bino nzambe asalisa na biso makasi po ya kolinga mboka po ya kosangana pe po ya kokamba mboka ya biso ezala se na mwana ya Congo na ye mopaya te totelema po ya kosangana na mboka na biso yango wana tosengi bino bopesa biso bobenisi esili amen jin Moi, on a dit. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs à les mémorables, je le dis parce que c'est la première fois que nous accueillons autant de monde pour cet événement. Comme vous savez, les vaillants combattants de la force publique congolaise ont versé leur sang de la Belgique sur différents théâtres d'opération. C'est ici donc pour nous le lieu de nous remémorer leurs exploits et surtout réfléchir ensemble sur la manière la plus intelligente et pragmatique de pouvoir entretenir ce qu'il convient d'appeler le devoir de mémoire. Avant toute chose, je voudrais, au nom du comité organisateur, représenté par l'ASBL Bakushita et le COC, la coordination de l'opinion congolaise, représenté par Papa Joseph Mbongo, que je salue amicalement, eh bien, c'est une joie de vous voir nombreux, ce qui montre l'intérêt que vous portez pour cette problématique de la reconnaissance du voyant combattant. Alors, je n'ai pas étendre plus longtemps, le thème de la conférence d'aujourd'hui est la force publique congolaise, son histoire, ses exploits et son apport vis-à-vis de la Belgique. Nous avons aujourd'hui quatre intervenants de premier choix qui vont chacun à tour de rôle plancher sur une problématique particulière, ce qui sera l'occasion pour le public de pouvoir poser des questions. Ce sera au moment où nous serons dans le jeu des questions et réponses. Nous aurons d'abord une première intervention de M. Jean-Jacques Wondo, diplômé de l'École royale militaire, analyste des questions sécuritaires, mais également auteur d'un ouvrage très remarqué intitulé Les armées au Congo Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, un ouvrage publié cette année. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter le colonel Dominique Kalonga, ex-officier donc forces armées aïroises, diplômé de l'école royale militaire. Je précise qu'il est un des premiers congolais en tout cas à être diplômé de cette école, puisqu'il fait partie de la toute première promotion qui est issue de 1960 et dont il en est sorti 3 ans plus tard. Nous aurons également le plaisir d'écouter Mme Odette Koudjavo, qui est la petite fille d'Albert Koudjavo, volontaire congolais en Belgique, de la guerre 14-18. Ce sera pour elle le lieu de nous faire un témoignage. Enfin, quatrième intervenant, M. Alice Mobé, qui va plancher sur l'effort de guerre et les dividendes des victoires de la force publique au profit de la Belgique. M. Alice Mobé est chercheur en sciences sociales et également membre du comité de direction du collectif des intellectuels congolais à Paris. Alors, en tant que citoyen congolais, merci pour cette précision, cela ne vous avait pas échappé, merci de même. Voilà, sans plus tarder, mesdames et messieurs, et tout en vous renouvelant
sincères remerciements au nom du comité directeur. Je précise également que cet événement est également soutenu par Radio Beauté, la voix de la diaspora africaine, hein, qui a souhaité marquer sa solidarité à l'égard de cette journée à laquelle vous participez très nombreux. Je voudrais inviter dès à présent M. Jean-Jacques Rondeau, qui va nous parler de la genèse et l'évolution de la force publique de 1885 à 1960. Vous avez la parole. Merci Henri Mouzi. Bonjour à tout le monde et surtout merci aux organisateurs qui nous ont permis de pouvoir vous présenter la force publique en 15 minutes. C'est un défi assez difficile à relever parce qu'il faut parler d'au moins 75 ans d'existence d'une force, d'une armée qui a gravé la mémoire de l'histoire congolaise aussi. J'ai réintitulé mon exposé « La force publique de la genèse » en 1985 à la mutinerie en 1960. Très important de date. Je vais plutôt parcourir brosser quelques éléments pour être bref et pouvoir consommer efficacement mes 15 minutes. La force publique, il faut remonter 15 novembre 1984, 1884 au 26 février 1885, lorsqu'on organisa la conférence de Berlin qui permet à qu'on puisse indiviser l'Afrique. Et à la fin de la conférence de Berlin, le Congo a été confié au roi de la Congo. Et c'est là que le 1er juillet 1885, la proclamation de l'État. Et depuis 1998, on est passé à 19 000. Et 1959-60, on a tourné autour de 23 000. Et c'était à l'époque l'armée la plus puissante de l'Afrique centrale. Donc, au niveau de l'évolution du nombre de fichiers ici, vous avez 235 au début. 178 au début pour arriver à 1103 officiers en 1960. Et puis un point sur la création des centres de formation. Donc au départ, déjà en 1890, on a créé des écoles de pupilles, des jeunes, souvent recrutés des jeunes qui étaient orphelins ou délaissés parce qu'ils avaient une attache familiale et on pouvait former quelqu'un psychologiquement fort qui n'avait pas d'affectivité. Et d'affection par rapport à la population, et ces jeunes étaient recrutés pour être formés par la suite. Donc, l'autre point que je peux encore relever, l'école des pupilles 1953 avait 28 élèves, et en 1958, elle comptait que 14 élèves. C'est-à-dire que pendant toute la période de la colonisation, il n'y a pas eu cette volonté d'africaniser le cadre, on n'a pas formé suffisamment de cadres pour pouvoir permettre au moment de l'indépendance de pouvoir avoir une élève suffisante pouvant faire que le Congo puisse disposer d'une armée plus ou moins indépendante. Et un point important, c'est bien soigner le soldat pour le motiver, augmenter son loyalisme à l'autorité. Dès le départ, il y a des soldats de la force publique qui étaient choyés. Surtout jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la politique sociale traditionnelle du commandement fut toujours de favoriser la présence des familles, considérées comme éléments stabilisateurs et facteurs importants de motivation des soldats. C'est là, à l'âge de l'institution de la réglementation d'une participation des pays. Merci infiniment, Jean-Jacques Bourneau, pour ce tableau très précis, très détaillé, qui nous a tous permis de connaître, en tout cas de suivre l'évolution de la force publique belge, de sa création jusqu'à aujourd'hui quasiment, avec évidemment les différents épisodes, souvent très très pénibles, malheureux même, qui mettent en évidence les problèmes de coordination, de collaboration, d'entente, d'indiscipline, parfois même, quelque chose qui n'est pas du tout nouveau aujourd'hui, puisque on le voit, on l'a vu en tout cas ces dernières années avec l'armée congolaise actuelle. J'aurais porté l'occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Je rappelle que cette conférence est organisée à l'initiative de l'ESBEL Babouchita, représentée par Mme Anne-Georgine Dibois, et le COC, la coordination de l'opinion congolaise, représentée par Papa Joseph Bourou. Aujourd'hui, donc le 11 novembre 2013, est un jour que nous allons ensemble commémorer, puisqu'il s'agit de mettre en évidence le rôle souvent méconnu de nos vaillants combattants qui ont versé leur sang pour que
que la Belgique notamment et ses alliés puissent vivre en paix. Et aujourd'hui, il nous sera difficile de faire la place sur la nécessité de, au fond, associer trois notions. La première, c'est bien évidemment le devoir de reconnaissance par rapport à ce qui s'est passé, un devoir historique, parce qu'il est important d'avoir une balise, et surtout, un devoir de vérité, pour que chacun puisse devenir l'interprète et le messager de toutes celles et ceux qui considèrent que depuis trop longtemps, on a méconnu le rôle de ces vaillants combattants. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au deuxième intervenant. Il s'agit du colonel Dominique Kalonga, ingénieur de formation, issu de la première promotion de l'école royale militaire, qui va donc plancher sur les campagnes de la force publique du Congo. Mon colonel, vous avez la parole. Merci. Je suis vraiment heureux de me retrouver devant vous, monsieur, mesdames. Et c'est avec plaisir que je fais suite à l'exposé de mon jeune frère. Nous avons entendu la force publique devait assurer deux missions. Primo, assurer la sécurité de tous les voyages exploratoires. Et deuxièmement, maintenir l'ordre public. Alors, pour maintenir l'ordre public et assurer la sécurité des voyages exploratoires, il fallait que la force publique entame deux campagnes, une contre les Arabes et une contre les Mahdistes. Les Arabes étaient surtout dans l'Est, dans le Grand Est du Congo. Ils avaient deux commerces vraiment juteux, le commerce des esclaves et le commerce de l'ivoire. Cela constituait une entorse, une enclave à l'économie du Congo. Alors, toute la soirée, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. C'est une histoire qui se laisse écouter comme un roman. On apprend par exemple que la force publique congolaise est un épouvantail pour certaines armées, en tout cas dans cette partie de l'Afrique, Abyssinie et Égypte. Alors, nous avons le grand plaisir d'accueillir à présent Madame Odette Koudjabo, qui est la petite fille d'Albert Koudjabo, qui fut volontaire durant la guerre 14-18. Je rappelle par ailleurs qu'après la dernière intervention, il vous sera loisible de poser vos questions. Et donc, sans plus tarder, Madame Odette Koudjabo, je vous cède la parole. Merci, monsieur. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. C'est pour moi un honneur d'être parmi vous. Et ce que je vais faire, c'est simplement une présentation de mon grand-père, ancien combattant de la première guerre mondiale. Je vais commencer par sa date de naissance, le 15 mars 1896, à Kilo, au Congo. Il arrive en Belgique à l'âge de 16 ou 17 ans, et ceci probablement par le port d'Anvers, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'options. C'est venu d'où partait les navires, qui faisait la navette entre la Belgique et le Congo, pour une part alimenter les coloniaux blancs, et d'autre part ramener les trésors du peuple congolais, comme le caoutchouc, qui était une des matières premières à l'époque nécessaires en Belgique pour la fabrication des pneus de voitures, puisque c'était la floraison des voitures pour du moins les gens qui pouvaient se le permettre. Le 6 août 1914, il se porte volontaire auprès de l'armée et a été inscrit dans le corps des volontaires congolais à l'âge de 18 ans. Il est soldat volontaire en 4e de ligne, régiment 4, et son matricule, 104-68-449. Et il n'y avait pas que lui, bien sûr. Ils étaient 32. Qu'est-ce que ça fait en VA d'entendre ça? C'est là qu'ils rencontrent ma grand-mère. Ils sont amoureux et se marient en date du 17 décembre 1925 à Berlin. Ils auront trois fils, Raymond, Robert et Michel. Mais Albert faisait plus que s'occuper de sa famille que la famille Koudjabo s'est bien mise au service de la Belgique.
Après mon grand-père, qui s'est porté volontaire, c'est mon père, Kutjabo Robert, qui rejoint la résistance pendant l'occupation de la Belgique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puis il rejoint l'armée belge en tant que volontaire, lui aussi en septembre 1944. Sa brigade est transférée en Irlande où ils suivent un entraînement spécial. Et puis, ils sont envoyés. Merci infiniment, Madame Odette Kujabo, pour ce témoignage émouvant. Nous avons, grâce à vous, voyagé dans l'espace et le temps. Et nous nous rendons compte que votre famille a contribué de manière éclatante à ce que la paix soit préservée le plus longtemps possible, notamment en Belgique. Et en tout cas, cet hommage, nous le rendons aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre témoignage. À présent, mesdames et messieurs, nous allons écouter le dernier intervenant. Il s'agit de M. Alice Aubé, citoyen d'Orléans, il insiste, chercheur en sciences sociales, membre du comité directeur des intellectuels congolais, ça ne s'avance pas, et bien vous allez nous entretenir de l'effort de guerre et des dividendes des victoires de la force publique congolaise au profit de la Belgique. Vous avez la parole. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Je serai garantant que je peux rendre mon hommage à Madame Kujabo parce que pendant très longtemps, lorsqu'on parlait de ces volontaires congolais, ils sont même très ignorés au Congo. Hein. Même ici en Belgique, on en parle rarement. Et heureusement que le musée de l'armée donne une liste assez complète qui s'est volontaire. Deuxièmement, c'est parce qu'on sent. Ça va bien. Voilà. Et puis, d'autre part, vous avez cité Paul Pamela. C'est très important parce que c'est un des tout projets que M. Congolais, on ne connaît pas. Il a fait des brillantes études ici en Belgique. D'abord, pour ceux qui connaissent Bruxelles, il a fait toute sa scolarité à l'Athénée Bruxelles. Il a brillamment réussi. Il a fait de l'école supérieure agricole des vivants et ensuite à Nogent-sur-Marne en France. En 1920, il était très très engagé dans les mouvements panafricanistes avec des intellectuels noirs américains, notamment le docteur Roy Dubois. Et c'est Paul Pamela, c'est grâce à lui que nous avons les monuments du soldat inconnu de Kinshasa, puisqu'il a fait plusieurs requêtes pour que soit constitué un capital au profit des veuves et des orphelins, c'est de la dernière contribution aux victoires des animaux. Et le 22 mars 1953, je prends un témoin, encore je vous prouve, puisque c'était un grand journaliste du Congo, pendant la cour coloniale, le général Gaulle arrive chez nous, il est chaleureusement accueilli. Vous allez lui poser la question, mais pour qu'est-ce qu'il fait chercher à Kinshasa et aujourd'hui, puisque nous n'étions pas une colonie française. Le général qui, lui, a toute sa vie en soi, n'a rien oublié de ce qui s'est passé, des apports des soldats congolais, et en 14-18, et en parlant de renseignement. Parce que si les Cameroun a été donné à la France et à l'Angleterre, alors qu'il était une colonie allemande, c'est parce que les soldats congolais se sont battus au Cameroun, ce qui fait que le Cameroun a été partagé entre la Grande-Bretagne et la France. En 1940, il s'en est fallu de peu pour que Léopoldville, c'est-à-dire Kinshasa, fût la capitale de la France. Très dur contre Léopoldville. C'est comme ça qu'il a été obligé, contraint, d'accepter que le Congo puisse devenir une nouvelle, mais à condition que par dette de reconnaissance, à charge de la colonie, plus de 50 millions lui soient versés.
Deuxièmement, c'est arrangé pour que... Ce sera le mot de la fin. Pas du tout. Parce que le Congo... Non. Le Congo ne peut pas être en guerre des mesures d'injonction. Parce que déjà, les injonctions du Rwanda, voilà, c'est une sorte de... Nous allons faire participer... Un instant. Donc, enjeu militaire, enjeu de l'histoire, je dirais aussi enjeu d'ordre intellectuel, aussi enjeu peut-être de citoyen. Tant que nous n'aurons pas la capacité à la fois intellectuelle et de citoyen de nous approprier cet enjeu énorme que la question militaire, nous n'allons jamais gagner la bataille de la démocratisation et même la bataille de la souveraineté. Il est impensable qu'un Rwandais qui n'avait pas d'armée de 1918 à 1960 soit capable de régenter l'échec politique congolais. C'est ça aussi le sens du fait du Congo. Merci. Merci infiniment, Alice Robert. Merci pour cette leçon d'histoire, pour cette décision historique apportée à cette magnifique histoire de la force publique congolaise. Mesdames et messieurs, c'est une vraie joie de vous avoir aussi nombreux pour cette conférence. Et sans plus tarder, je vais inviter certains d'entre vous qui le souhaitent évidemment à poser une question à l'un des quatre intervenants. Alors, nous allons faire les choses de la manière suivante. Je vais choisir six personnes, en espérant qu'il y aura une femme parmi ces personnes, et j'inviterai cette personne à venir ici où je me trouve pour poser sa question en prenant bien soin de se présenter. Premier intervenant. Ça renforce encore la perte de la brièveté. Bon, tout simplement, je m'appelle Kando. Pour être bref. Ici, il y aurait eu beaucoup à dire, mais j'aimerais juste renforcer toutes les questions sous-jacentes que mon ami Anissé Moba a formulées pour le renforcer dans cette dynamique à travers un court témoignage que j'ai recueilli accidentellement il y a une vingtaine d'années auprès de Papa Ibambo qui a fait la campagne du Moyen-Orient. Certains d'entre vous peuvent le connaître, c'est le papa d'un abbé très célèbre à Kinshasa, l'abbé Ibambo. Lui, il avait insisté que une des retombées de ces deux campagnes de la force publique, c'est aussi l'effort à l'indépendance. Personne n'en a parlé ici. Parce que lors de ces deux campagnes-là, les éléments de la force publique, les Congolais, ont vu comment les pensées... tous les intervenants, c'est magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. C'est grand, c'est d'un très haut niveau. Et donc la question, je l'adresse à monsieur ici, juste à côté de moi. Vous avez parlé des enjeux militaires, des enjeux historiques, mais nous, on était là, suspendus à vos lèvres, nous, on voudrait connaître le troisième enjeu. Vous avez parlé de trois enjeux. Et moi, je rajouterais par la suite qu'il y a un autre enjeu qui est la question de l'identité de nos enfants, connaissant tous les éléments qu'on a évoqués ce soir. Voilà, merci. Excusez-moi, je n'ai pas de voix pour le moment. Ma brève intervention, je complète mon ami et mon disciple Dominique Malonga. Il a parlé de l'époque de Tanis. Et vous qui avez posé le problème de dividende, le Congo n'a rien reçu comme dividende. La preuve en est que Danis, battu à l'est du Congo où il était par des Congolais. Et puis, quel est votre avis par rapport à ça et qui peut être qualifié de Congolais de souche aujourd'hui pour intégrer l'armée congolaise? Merci. Merci. Alors, M. Kepo, tout à l'heure,
on fait passer encore une dernière question en première partie. Oui, monsieur Alizé, je vous en prie. Oui, bonsoir. Moi, je veux plutôt porter des témoignages sur la force publique. Sur le plan monétaire, il y a certains billets qui portaient les images des troupes de la force publique. Quand on regarde certains billets de la période coloniale, vous verrez des images des troupes de la force publique. Je vais vous donner le deuxième témoignage. À Kinshasa, tout le monde connaît la place de la Victoire. Et quand on demande aux Congolais d'où vient ce nom de place de la Victoire ou de l'avenue de la Victoire, personne ne connaît. En fait, c'est un lieu où, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1945, les troupes congolaises, quand elles sont revenues d'Éthiopie, du Rwanda, de Tanzanie, sont allées vers Kinshasa. C'est là ils ont fêté leur victoire à la place de la Victoire. C'est ainsi que cette place s'appelle place de la Victoire, parce que les éléments de la force publique ont manifesté leur victoire à ce lieu-là. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je vais permettre aux orateurs de répondre à ces premières questions et je passe la parole dans quelques instants. Jean-Jacques Rousseau. Oui, rapidement pour la question sur mon avis par rapport à l'invitation de M. Olega. C'est une déclaration où Mme McMahon a écrit beaucoup de choses. J'ai même réagi sur Internet ce matin ou hier, quand on dit par exemple que les troupes belges n'étaient pas engagées en 2012 dans ce combat. Il y en a gagné parce que le troupe belge, je pense que la deuxième para qui était formée par l'État belge, ont été engagés récemment. Ce sont des mensonges parce que ces troupes ont été engagées en 2012 et laissées sans munitions, sans accompagnement, sans logistique. Et il y a eu 158 morts parmi ces jeunes qui ont été très bien formés et que ça a même impliqué l'état-major belge ici. Concernant la nationalité, les gens qui me suivent sur Internet, où je tiens un site, ou qui lisent mon ouvrage, ou qui me suivent dans d'autres conférences, je ne cesse de montrer le rapport qu'il y a entre l'État et l'armée, et au point je dis que l'armée s'est approchée de l'État, pour la simple raison qu'un pays, plus il est développé, plus vous verrez que le pays le plus démocratique possède les armées les plus performantes, où les pays économiquement plus forts sont les pays qui disposent des armées les plus forts et les plus performantes. Donc je pense que l'armée étant le symbole de la souveraineté, l'armée ne peut être que constituée par les natifs ou les fils du Congo. Quant à ce qui me concerne, pour dire qui est congolais, qui n'est pas, c'est une question d'un débat politique. Il faut plutôt l'envoyer au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'à mon niveau d'expert militaire, je suis un outil mais qui est chargé d'appliquer une politique qui est déterminée. Donc il faut plutôt un débat intellectuel, sociétal et politique pour pouvoir déterminer. Mais ce sont des éléments que j'avance par rapport à la question. En tant que citoyen congolais, il faut toujours aussi poser la question. On m'a expliqué que l'avocat de GFO, pendant plus d'un an, l'officier rwandais est commandé notre armée. Le commandant James Cabaret, qui était chef d'état-major de l'armée. Il n'avait pas réagi à l'époque. Ça s'est passé depuis deux éléments. Comment expliquer que tous ceux qui sont issus de l'AFD, c'est-à-dire d'un parapente fabriqué par l'État anglais, certains d'entre eux sont encore aujourd'hui au pouvoir? Ce sont les vraies questions. Si on a le courage de poser ces questions, de les résoudre, on pourra alors à ce moment-là résoudre, je crois aussi, la question d'engager ou de ne pas engager les Congolais de souche dans l'armée. Puis j'ajoute que ce n'est pas au sein de la France. Et à M. Rondeau, nous avons entendu des choses qui nous ont donné quand même des raisons d'être un tout petit peu fiers de nos vaillants combattants. Et j'aimerais vous amener dans l'actualité. Ce qui se passe nous a beaucoup humiliés par rapport aux femmes blessées. Non seulement avant eux, les phases, etc. Des armées constamment tournées contre les populations africaines, des armées constamment tournées contre les Congolais, où les Congolaises continuent à payer jusqu'aux plus petites filles. Il y a beaucoup d'humiliation. Alors, avec ce qui est en train de se passer, notamment à l'Est, sérieux-nous en
train de sortir de l'auberge, première question. Quand je vois vers le temps cet accord où l'on parle de l'intégration, est-ce que nous n'allons pas vers l'amnistie de fait pour des gens qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité? Et enfin, ma troisième question, pensez-vous qu'il soit opportun, au vu de ce qui se passe, d'impliquer l'armée dans la gestion du pays? Merci. Bonjour, je m'appelle Mohamed Longamay, je fais partie des étudiants congolais du ULB. Ma première question va s'adresser au dernier intervenant. Ma première question est celle-ci. Peut-on estimer la dette que la Belgique doit au Congo pour les personnes mortes, pour les minerais pris au Congo et pour tout le sang qui a été versé à cause de la colonisation? Ma deuxième question est celle-ci. Pourquoi, lors des deux guerres, les Congolais ont-ils continué à soutenir les colons, alors que c'était une très bonne occasion de se débarrasser simplement et de laisser eux-mêmes résoudre leurs propres problèmes? Voilà. Je voudrais, comme Madame Koudjabo, rendre hommage à quelqu'un. J'ai un grand-père qui n'était pas volontaire, mais qui a été milicien 33 et qui a combattu au sein des forces publiques de 40 à 45. Donc, il a eu sa première fille, son enfant, qui est ma mère, à 40, juste quelques semaines après. Il est parti pour retourner cet enfant à 47. À Luabo, pour ceux qui ont connu ou qui connaissent Luabo, ça dit Canada aujourd'hui dans le Kasaï. Et quand j'ai entendu intervenir le colonel Kalonga, beaucoup de noms me sont directement revenus. Mais je me suis posé la question, je me dis, mais c'est nom ou c'est ville ou c'est cité entre autres, Tabora, Mayenga, et Sayo, et ainsi de suite. Mais ça fait partie de l'itinéraire de mon grand-père. Est-ce que, à la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il a même eu la même trajectoire? Ils l'ont eu aussi. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, comme lors de la Première Guerre mondiale, ou comment? Parce que par après aussi, ils sont allés le jour où ils ont fait la guerre du Moyen-Orient. Si on avait su bien avant de cette organisation de la journée d'aujourd'hui, on aurait pu, même aujourd'hui, amener un témoignage, amener des documents d'archives, parce que c'est bien qu'il y a une question. Je ne vais pas poser de questions. Je vais remercier les organisateurs, parce que nous sommes nombreux ici. Ça montre que nous nous réapproprions notre histoire et c'est très important. C'est notre rôle et on ne peut pas attendre qui que ce soit pour le faire. Et je voudrais dire que ce n'est pas ce qu'on doit faire seulement aujourd'hui. On peut faire ça tous les jours. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le discours du papa, je pense. Et je voudrais qu'il soit publié et qu'on nous l'envoie pour qu'on puisse le publier, le traduire dans plusieurs langues. Parce que peut-être que ceux qui sont ici vont seulement savoir ce qui s'est passé, mais ça devrait être diffusé partout. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que l'histoire est pleine d'ironie. Parce que nos ancêtres, nos grands-pères sont venus combattre, comme ça a été dit, dans des guerres où ils n'avaient rien à faire. Ils ont été contraints de le faire. Et ils n'avaient pas les droits civiques dans leur pays, je pense par exemple aux Afro-Américains qui sont venus combattre et eux-mêmes n'avaient pas des droits chez eux. Malgré tout, ils ont donné le meilleur, ils ont donné leur vie et ils ont donné des droits. C'est ce que je voulais rebondir, mais c'est une question qui s'adresse aux orateurs mais aussi à nous tous qui sommes ici. Je pense que c'est une initiative aussi encouragée. Et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que l'année prochaine, on sort les 100 ans. La Première Guerre mondiale, ce qui me pousse et que je me demande quel travail on peut faire à notre niveau, hein, déjà pour que le rôle des anciens combattants d'origine congolaise ou d'origine noire africaine au sens général soit valorisé, soit mis en avant. Et deuxième point, c'est qu'on vit une époque aujourd'hui en Europe où on parle beaucoup de la question de l'immigration. Et l'immigration présentée malheureusement souvent dans ses aspects les plus négatifs. Moi, ce que je me demande, c'est qu'à un niveau politique et aussi à un niveau citoyen,
qu'est-ce qu'on peut faire justement pour parler de l'histoire de cette immigration? De cette immigration qui a apporté ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont morts justement pour beaucoup de pays d'Europe. Et ça, je pense que ce serait un travail à voir au niveau politique. J'ai une voix qui porte. Ah voilà, ça va mieux. Bonjour, donc moi je m'appelle Jean depuis tantôt. J'ai une réflexion, ainsi une question pour monsieur l'historien. Tout d'abord, ma réflexion. Je pense qu'effectivement, c'est parti, ce genre d'initiatives sont vraiment des initiatives multipliées. Pourquoi? Parce que moi, en tant que jeune, j'ai quand même quelques jeunes ici qui sont très engagés dans la communauté. C'est extrêmement important d'être au courant de ce genre d'histoire. Parce que quelque part, ce qui fait le lien entre les membres d'une communauté, c'est l'histoire qu'ils partagent. Et si à un moment donné, il y a un transfert, ça me dit, excusez-moi, mais c'est pas agréable. Voilà. Et donc, si à un moment donné, il n'y a pas un lien, il n'y a pas une transmission de cette histoire, de cette mémoire qui est faite entre les plus aînés et les plus jeunes, si je dis ça comme ça, cette histoire va se perdre. Donc ce genre de mouvements sont extrêmement importants et ça va au-delà de nos propres personnes. C'est ce qui donne un sens quelque part à notre présence ici en Belgique et tout simplement à notre... Je vois que mon aîné m'a lâché. Je vais plutôt répondre rapidement aux questions de Madame Bambou parce qu'elle a posé des questions assez précises. Est-ce qu'on est une sortie de l'auberge? Moi je pense que ça fait depuis mai 2012 que je suis pratiquement pas à pas la guerre qui se déroule au Congo. Et je n'ai pas à le cacher, je suis et j'ai été en contact avec les militaires qui se battent sur le terrain. Et parfois je relayais certaines informations qui venaient de France. Je peux dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, on risque même de s'envoler. Mais je peux, comme étant une personne optimiste, je dis que c'est un début de prise de conscience. Il faut vous rendre compte du travail remarquable qui a été accompli par les populations du Nord Kivu, notamment la société civile, qui ont créé ce qu'on appelle dans le domaine militaire une cohésion anémique avec les militaires qui se battaient dans une sorte de ce qu'on appelle une guerre totale, parce qu'ils sont retrouvés dans une situation où, s'ils ne font rien, rien ne se passera sur le terrain. Et généralement, une guerre, on la gagne si on a la population qui accompagne les militaires. Et là, je pense qu'au niveau de la société civile et des populations du Nord Kivu, ils ont compris, non seulement ils ont soutenu les militaires qui se battaient, mais ils ont mis la pression aussi bien sur la MONUSCO et sur les autorités qui, à certains moments, n'avaient pas le choix que d'accepter de faire la guerre. Donc, ce n'est pas une décision parce que jusqu'à la dernière minute, on a vu même des militaires qui se distinguaient, par exemple, le lieutenant-colonel Ndala, formé par la Belgique, évidemment. Ils ont fait autant que les autres qu'il faut que ça se sache dans les écoles. Ça doit faire partie de notre histoire. Cela fait partie de notre histoire. Alors, je voudrais bien que tout le monde enregistre ce truc. De côté néerlandophone, on commence à réagir. Parce que je suis néerlandophone de naissance et ça fait 14 ans que je suis occupée avec l'affaire de mon grand-père et c'est eux qui viennent vers moi. Je leur ai expliqué et je sais que l'Institut des vétérans à Bruxelles ont fait une tournée dans les écoles pour montrer tout ce qui s'est passé. Les différentes cultures. Du côté francophone, ce n'est pas encore fait, il y a encore du boulot sur la planche. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je dis tout simplement, je réponds là, je prends la dimension qui ne fait que de la question. Eh bien, informez-vous, lisez et surtout critiquez les ouvrages et les plus récents, et les plus anciens, écrits sous la force publique. Et puis, publiez vos réflexions. D'abord, vous allez remarquer que les ouvrages anciens, souvent, quand on parle des autres puissances coloniales, s'exercent sur le Congo, et on met en doute les capacités colonisatrices de la Belgique. Et enfin, il y a ces gros ouvrages, pour lesquels on a fait aussi l'édition dans les communautés des organisateurs, les Congo durant la Seconde Guerre mondiale.
réalisatrice, Mona Télémion. Sauf de la revue de Père Jésus qui se passe, Zaïre Afrique. Mais c'était un ouvrage intéressant. Malheureusement, il n'y a pas tellement de contributeurs congolais là-dedans. Donc, pour moi, vous avez vocation, ceux qui sont encore aux études agricoles. Ah, c'est mauvais, bien sûr, mais parfois il faut l'arrêter. Voilà. Je vais céder la parole à Papa Joseph Mbongo qui va conclure cette conférence. Mais avant cela, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette journée, à la fois la partie officielle au niveau du monument, mais ici au niveau de la conférence. Tout cela a été rendu possible grâce à la contribution inestimable de ces personnes. Je voudrais également saluer la présence parmi nous, certains sont déjà partis, mais je tenais à le faire, de plusieurs élus belges d'origine congolaise qui ont eu la gentillesse de bien vouloir rehausser de leur présence. Alors, j'ai une liste de personnes que je vais citer, mais je ne voudrais surtout pas en oublier quelques-uns, mais je vais en fait en donner quelques-uns. Radio Campus, Pasteur Bobo, Radio Panique, Radio Panique, je l'ai dit, Radio Côté, forcément, Congo, je n'arrive pas à lire, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. Bref, Mediaterra et tous ceux, toutes celles et ceux qui ont véritablement contribué au succès de cette journée. Soyez-en remerciés. Papa Joseph Mbongo, à présent, vous allez nous parler de ce que pourrait être notre démarche et quelle piste pour l'implication de la communauté congolaise de Belgique dans les festivités du centenaire de la guerre 14-18. Bon, je rappelle que le centenaire sera célébré l'année prochaine. Certains ont pris de l'avance, hein, en France notamment, où ça a été lancé il y a déjà quelques jours. Papa Joseph Mbongo, vous avez la parole. Bon, merci de m'accorder la parole. Mes chers compatriotes, je vous remercie tous d'être venus assez nombreux, plus nombreux aujourd'hui que les autres fois. J'espère que pour l'avenir, ce genre de rencontres seront multipliées pour nous permettre de développer l'histoire de notre pays que nous ignorons pratiquement. Puisque on parle de la force publique, personnellement, j'étais dans la force publique. Oh. J'ai publié mon livre qui s'intitulait L'indépendance du Congo et l'avènement de Lumumba. Là, je parle de la force publique. Dans la force publique, j'étais en 27, que ceux qui connaissent Kinshasa, notre bataillon était sur la colline là, sous les tentes d'ailleurs pendant la guerre, et moi j'étais le Seigneur Sens qui était notre commandant du bataillon à cette époque-là, avant de devenir général de la force publique. C'est Yancès qui, à cette époque-là, entre nous, c'était le seul bataillon où noir et blanc portaient les mêmes uniformes. Parce que pour Yancès, dans une armée, il n'y a pas d'uniforme, deux uniformes comme dans notre armée. Bref, et c'est même Yancès qui est devenu major. Au moment où nous avons fait le manœuvre avant de venir à la guerre, il est venu à notre bataillon est venu jusqu'à l'Égypte. Nous étions le premier bataillon, le groupe des chasseurs motorisés. En résumé, le même Yancès a publié son livre dans lequel il raconte l'histoire du gouvernement belge. Pendant que j'étais dans l'armée, il y a un officier belge qui m'a dit de ne pas aller à la guerre. La guerre concerne les blancs et pas pour les noirs. Vos parents qui ont souffert pendant la guerre de 14-18 sont abandonnés. La Belgique n'a rien fait pour eux et vous aussi, vous n'aurez rien. Déjà, d'abord, les blancs n'aiment pas les noirs. Comme ça, et j'ai écrit ça dans mon livre, maintenant. C'est vrai, Yancès a dit aussi que lui, Yancès, quand on est venu en Égypte, il s'est dit qu'il était préparé pour que le corps expéditionnaire congolais arrive en Belgique pour libérer les rois. Mais en dernière minute, le gouvernement belge qui était à Londres, pourtant, en détail, dans le communiqué que nous allons publier, le gouvernement belge qui était à Londres, qui a vécu grâce au don ou auprès de l'aide du Congo belge, de 6 milliards,
qu'on a envoyé pour que le gouvernement belge lui balance. Mais ce gouvernement belge, au moment où le débarquement, ici, le gouvernement belge a refusé de voir les Noirs venir défiler en vainqueur en Belgique. Et c'est ainsi qu'on a refoulé. Et c'est Janssens qui écrit ça dans son livre et que j'ai repris dans mon livre ici. Bref, ça ne m'étonne pas que jusqu'aujourd'hui, les Congolais ne bénéficient pas des avantages de tous les guerres. Pourtant, dans d'autres pays des anciennes métropoles coloniales, en France et tout ça, les Noirs étaient venus jusque-là et ils sont récompensés pour le moment, sauf chez les Noirs. Le but de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est justement de poursuivre d'abord, je remercie les orateurs qui ont parlé, qui nous ont édifiés avec avec la force publique, et je demande à tout le monde d'être très attentif, de profiter de cette occasion pour qu'à l'avenir, nous pouvons multiplier ce genre de rencontres pour pouvoir développer l'histoire de notre pays. Le but de cette rencontre, c'est justement pour demander à la Belgique de reconnaître ce que les Congos ont fait, parce que la Belgique, c'était le seul pays. D'abord, la Belgique était reconnue comme État grâce à l'effort de guerre du Congo. C'est ça, les choses des gens ne savent pas. Alors, c'est ainsi que la Belgique jouait sur la cour des grands, comme quelqu'un disait ici, à cause de l'effort de guerre du Congo. Bref, maintenant, la Belgique ne fait rien, mais quelqu'un l'a dit, nous, à un moment donné, j'étais au Congo. On a posé la question à l'ancien ministre belge, à ce sujet, il a dit que nous avons donné l'argent à Mobutu pour les anciens combattants. Mais les gens n'ont pas profité de cet argent. Pourtant, nous, maintenant, pendant que je suis en Europe, comme en France et tout ça, ils ont revalorisé la situation. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre maintenant pour que la Belgique puisse reconnaître. Et c'est ce que le Congo a fait pour lui. Donc, nous, ce que nous voulons, mais ces gens qui rencontrent, nous avons préparé ça beaucoup. Nous allons faire même des expositions et tout ça pour le Congo. Je vous demande, mes chers amis, nous les Congolais, le problème est que nous ne nous intéressons pas aux problèmes de notre pays. Hein? Tout le monde, tous les autres pays africains se moquent de nous. Mais toujours pour les Congolais, par exemple, les quartiers qu'on appelle Matondé. Normalement, ça aurait pu être les quartiers des Congolais, mais les Congolais ne font là que manger les gammes de lait, tout ça, la banane. Quand il y a des histoires comme ça, ils ne viennent même pas. Mm. Aujourd'hui, je suis content de voir que nous sommes un peu plus nombreux et nous espérons qu'à l'avenir, nous serons encore beaucoup plus nombreux pour pouvoir montrer à la Belgique que les Congolais tiennent à ce que les liens soient liés avec la Belgique et grâce aussi, il y a quand même des Belges, des anciens colonels qui nous demandent de nous entendre, de nous mettre ensemble pour qu'on relève tous ces dossiers. Mais nous, malheureusement, quand nous demandons des rencontres et tout ça, chacun, c'est ça le problème du Congolais. C'est ce que tout le monde demande, même maintenant, au Congo. On nous envoie des messages, des consultations, dites la diaspora. Ne vous dites pas diaspora, dites que vous êtes des Congolais de l'étranger. Mettez-vous ensemble pour que nous restions en contact avec vous pour pouvoir développer notre pays. À ce sujet, pour y arriver, il faut qu'on réponde à ce genre de rencontres quand le nombre augmente et ça donne l'impression que les gens s'intéressent à leur pays. Et puis pour plus de centenaires, maintenant, il y a une semaine, si vous avez suivi, la Belgique a commencé à inaugurer la commémoration du centenaire de la guerre 14-18. Mais dans l'histoire, nous avons essayé de voir un peu partout, on ne cite pas le nom du Congo. Entre-temps, pourtant, Rédès, à l'ONU, il a invité Kabila.
Et nous posons la question, comment vous invitez Kabila si vous ne parlez pas du Congo dans cette histoire, Kabila n'est pas personne. Donc bref, voilà toutes ces histoires d'Anna et je vous remercie. Pourquoi? Pour être pour mes chers amis, je vous remercie d'être venus nombreux, faisons tout, entendons-nous, quand il y a des occasions comme ça, mettons-nous ensemble et nous avons, et je remercie aussi ceux qui ont collaboré à organiser cette rencontre. Nous sommes partis peut-être deux ou trois, mais il y a d'autres qui sont venus. C'est pour cela que vous devez être un peu plus nombreux. Je vous remercie beaucoup, comme vous êtes là. Merci beaucoup, papa. Papa, je vous remercie. Merci infiniment. Je rappelle que de vous représenter la coordination de l'Union journaliste de COC, que vous avez eu cette idée lumineuse d'organiser cette conférence et cette cérémonie avec l'ASBL Matogito de Madame Anne-Georgine Dubois. Je voudrais également, avant que nous puissions nous orienter vers le paradis, ça va pas, la pièce juste ici, vous êtes tous conviés pour le verre d'amitié, je voudrais remercier nos quatre orateurs, Madame Odette Koudjabo, merci beaucoup. Alice Mauvais. Pardon. S'il vous plaît. Monsieur Jean-Jacques Wando et le colonel Kalonga. Merci. Merci à tous. Magnifique. C'est historique. Oui, c'est vraiment de ah, madame fait la police. Oui, je... Félicitations, merci. Moi, je suis venu remercier. Merci. C'est tellement pour vous et j'aimerais bien que ça soit repris dans les livres d'histoire. D'accord. Mais moi je suis des couilles, hein. Je connais tout, Philo, oui. Tu ça va? Bien supporté la course. Bonjour. Mais les enfants sont enchantés. Oui. C'est vrai, il y a tellement de attention pour Radium Beauté. Voilà. Alors Henri. Oui. Donc voilà, ça c'était la journée s'est passée. C'était laborieux, hein. Mais bon, c'est pas évident, mais c'était très très bien. C'était très bien. Implication de tous les orateurs, un public au rendez-vous. Oui. Que demande le peuple, c'était bien. Et toi-même, tu t'es senti à un moment donné dépassé ou tu as pu maîtriser les dépassé, non, mais bon, il y a toujours des imprévus, il faut les gérer. Ça, c'est le propre du direct. C'était très, très bien fait tomber. Voilà, super, merci. Et tu as quelque chose à dire en tant que supportrice de Radio Beauté? Étant donné que j'adore mon mari, donc je vais supporter en tant que supportrice. Son mari c'est Jean-Jacques Veil, ok. Radio Beauté. On ne sait jamais. Radio Beauté, si propre, on s'est venu au bout. Super. On s'est venu. Nous là pour la cause, alors je dis Jean-Jacques, la seule cause c'est toi. Absolument. Ma seule cause c'est toi. Absolument. Donc moi je supporte tes causes pour toi. Super, je n'aurais pas mieux dit. Bravo. Génial, bah, merci.